Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ma routine soin pour le visage. Ça fait un petit moment que je ne vous ai pas partagé ma routine soin et là j'ai intégré des nouveaux produits assez récemment, donc on va en parler aujourd'hui. Je vous mettrai quelques petites illustrations quand j'applique les produits et tout ça et on va commencer par la routine du matin. Donc la première chose que je fais le matin, c'est d'utiliser une eau florale que je mets sur un coton. J'ai des cotons lavables en fait, je mets ça sur le coton et je passe sur tout mon visage. C'est une étape que je trouve hyper importante le matin pour me réveiller et comme je me nettoie pas le visage le matin, c'est ce que je vais appliquer en fait avant de mettre les crèmes. Donc il faut quand même un petit peu nettoyer le visage parce que rien que la nuit sur l'oreiller et tout, il y a toujours des petites poussières. Donc je fais ça en premier. Là en ce moment j'ai une eau florale de mélisse. J'alterne tout le temps en fait entre plein de sortes. Alors chacune a des propriétés différentes, mais moi je prends un petit peu au hasard. C'est des eaux florales dans des bouteilles en verre en fait que ma mère m'avait acheté chez une productrice qui est pas très loin de chez moi. Donc voilà, je les aime beaucoup. Et là du coup en ce moment j'ai Mélisse, je crois que c'est la dernière que j'ai en stock. Donc après il faut que je vois ce que je vais racheter. Mais voilà, celle-ci fait très bien l'affaire. Ensuite le matin je passe aux crèmes. La première crème que je vais appliquer c'est mon contour des yeux. Je le mets toujours en premier pour pas avoir les autres crèmes sur mes doigts et pas mélanger. Là en ce moment j'ai depuis un petit moment d'ailleurs la crème de chez Origins. C'est la crème rafraîchissante pour les yeux, donc dans la gamme orange comme ça. Je l'avais eu en petit format dans un coffret Origins que j'avais acheté il y a pas mal de temps. Et du coup je l'utilise depuis plusieurs mois. Là elle est bientôt finie, je pense ouais, d'ici un mois et demi je devrais l'avoir finie. C'est une crème que j'aime plutôt bien. Elle a un petit effet un petit peu perlé comme ça. Enfin elle est un petit peu brillante. Moi ça me dérange pas du tout parce que je me maquille par au-dessus. Et après quand je l'applique toute seule en fait sans maquillage, c'est pas flagrant non plus. Ça vient un petit peu éclaircir mais pas de fou non plus. Donc voilà, ça choque pas. Je la trouve très agréable, elle s'applique très très bien, elle est assez fluide, elle est pas trop riche pour le matin. Vu que je me maquille après, je veux pas une crème qui soit vraiment trop trop riche et qui fasse couler le maquillage ou bien que ça adhère pas bien, etc. Donc celle-ci est très bien. Après, est-ce que je la rachèterai en grand format? Pas forcément, mais voilà, elle est très très bien, elle fait très bien l'affaire. Et ensuite pour les crèmes, pour la journée, je viens de commencer un petit duo, donc un sérum et une crème qui va avec. C'est de la marque Lavera, je les avais reçus il y a pas mal de temps dans un envoi de la part de la marque en fait. Et là ils sont quasiment périmés, donc je viens de les commencer. Donc c'est deux produits qui sont dans la gamme Hydro Effect, qui va avoir du coup un effet hydratant. En plus ils ont un petit côté anti-pollution, donc c'est très bien en crème pour le matin. Du coup il y a le sérum qui est assez fluide au niveau de la texture, je l'aime vraiment bien pour le moment. Et ensuite la crème qui est un petit peu plus épaisse, c'est pour apporter vraiment beaucoup d'hydratation. Alors c'est pas forcément ce dont j'aurais besoin toute l'année, mais là comme on est en hiver qui fait assez froid et tout ça, ma peau demande quand même un petit peu plus d'hydratation. Donc c'est plutôt cool, franchement c'est voilà un petit combo que j'aime bien. C'est des produits qui sont bio et qui sont vegan aussi. Lavera c'est une marque que j'aime beaucoup. J'ai déjà testé pas mal de produits chez eux et j'ai jamais été déçue je crois pour le moment. Donc voilà, je pourrais vous les recommander. Pour l'hiver en tout cas, je trouve que c'est très très bien. Pour la routine du matin, c'est tout. J'ai pas énormément de produits, mais voilà, j'aime bien quand ça va vite le matin et j'ai pas forcément de problématiques non plus sur mon visage. Donc ça suffit amplement. Et maintenant du coup on va passer à la routine pour le soir. Alors la première chose que je fais le soir c'est de me démaquiller si jamais je suis maquillée. Ce que je vais utiliser en ce moment c'est l'huile démaquillante de chez Yves Rocher. Alors moi j'ai encore l'ancienne version, j'en avais acheté 3-4 d'avance en fait parce que c'est mon huile préférée depuis des années. Mais ils ont changé assez récemment, je sais pas si c'est toujours la même huile, je sais pas s'ils ont aussi changé la formule ou bien juste le packaging. Du coup c'est dans la gamme Pure Calmi et c'est une huile démaquillante du coup qui va s'utiliser sur le visage sec. Donc moi je fais toujours ça quand je suis sous la douche en fait. Alors là je vous l'ai montré au lavabo parce que c'était plus simple. Mais voilà, moi je fais toujours ça sous la douche. Je mets 4-5 pompes on va dire de produits et je masse vraiment sur tout le visage pour décoller tout le maquillage. Et ensuite je rajoute de l'eau petit à petit pour émulsionner et ça va se transformer en lait et ça va vraiment tout enlever. Je trouve que c'est la manière la plus efficace de se démaquiller et aussi c'est un démaquillage qui ne va pas utiliser de coton. Donc je trouve ça plutôt cool. Voilà, c'est ma méthode de démaquillage préférée depuis des années et cette huile-là fait très très bien l'affaire. Après le démaquillage, je vais passer au nettoyage du visage. Je fais toujours les deux étapes si je suis maquillée et uniquement le nettoyage si c'était une journée où j'étais pas maquillée.
Là, en ce moment, j'utilise une mousse nettoyante de la marque Nae que j'avais acheté pendant les promos beauté Leclerc, il me semble. C'est un produit qui va être bio et vegan et c'est mon style de nettoyage préféré. Voilà, c'est la texture que je préfère pour me nettoyer le visage. Alors après, celle-ci, j'en suis pas très très fan. Je suis bientôt à la fin. Je pense qu'il doit m'en rester à peu près ça. Donc j'ai hâte de la terminer parce qu'en fait, je trouve qu'elle mousse pas assez. Enfin, ça sort en mousse, en fait, c'est un embout mousseur comme ça, mais c'est une mousse qui est pas dense du tout en fait. Donc dès qu'on l'applique sur le visage, ça fond et je trouve qu'on n'a pas le temps de bien masser, etc. Ma mousse nettoyante préférée pour le visage, c'est une mousse que j'achète chez DM en Allemagne. J'en ai encore une en stock, je crois, mais voilà, j'avais commencé celle-ci, donc je vais la terminer, mais vraiment, c'est pas ma préférée. Je trouve qu'au niveau de la texture, c'est trop liquide en fait, enfin ça se tient pas assez. Après, elle nettoie très bien le visage. Ensuite, on va passer aux crèmes pour le visage pour le soir. Donc en premier, c'est une crème pour les yeux de la marque Sienne, donc la marque de chez Lidl. Je l'ai commencé très récemment celle-ci, c'est la gamme sensitive, donc qui est à l'amande pour les peaux sensibles. Ils ont plein de produits dans cette gamme. Moi j'ai pris uniquement le contour des yeux parce que les autres crèmes j'en avais plein en stock, mais ils ont aussi la crème visage, des crèmes pour le corps, le shampoing, le gel douche je pense. Il doit y avoir des huiles aussi, il y a la mousse nettoyante pour le visage, enfin vraiment il y avait plein de produits dans cette gamme là. Moi j'ai uniquement celui-ci et c'est un produit que j'aime plutôt bien pour le moment. Alors après c'est un produit qui est assez riche, donc pour le matin je pense que ce serait trop riche pour moi, mais pour le soir ça fait très bien l'affaire. Le soir j'aime bien avoir des crèmes qui mettent un petit peu de temps à pénétrer dans la peau et tout ça, j'aime bien les crèmes très confortables. Donc ça me convient très très bien. Et aussi il a une très bonne composition, j'ai regardé sur Inky Beauty, je vous mettrai la capture écran. Mais je crois qu'il avait une note de 18 ou 19 sur 20, donc c'est quand même pas mal. Donc voilà, très contente pour le moment, je l'ai acheté très récemment donc je pense que vous pouvez encore le trouver chez Lidl. Et ensuite pour la crème pour le visage, c'est aussi une crème de chez Lidl mais c'est dans une autre gamme. Celle-ci je l'ai depuis plus longtemps donc je sais pas si on peut toujours la trouver. Mais en fait je crois qu'elle revient de temps en temps. C'est la crème de nuit dans la gamme au Q10, donc qui va être anti-âge je pense. C'est pas écrit en français mais il me semble que c'est une crème anti-âge. C'est dans un pot de 50 ml et celle-ci je l'ai depuis pas mal de temps, je dirais la fin de l'été. J'en suis à peu près à la moitié je pense. Alors c'est une crème qui est très confortable aussi sur le visage. C'est anti-âge donc c'est une crème assez riche. Moi je l'aime beaucoup. Alors après je l'utilise pas tous les soirs, de temps en temps je vais mettre par exemple ma crème de jour en crème de nuit pour que ce soit un petit peu plus léger, mais voilà, je l'aime bien. Après niveau composition, je crois que j'ai regardé et qu'elle est pas top. Donc voilà, je la rachèterai pas forcément après, mais elle est quand même très agréable pour ce qu'il me faut en ce moment. L'étape suivante dans ma routine du soir, ça va être un baume à lèvres. Alors j'en mets pas forcément le matin, parce qu'en fait je vais mettre du rouge à lèvres et tout ça pour la journée. Donc voilà, je mets pas celui-ci en tout cas, mais pour le soir, j'applique toujours un petit baume à lèvres. Alors là c'est, je l'ai mis dans un packaging du Rêve de Miel de Nuxe, mais c'est le baume que je fais moi-même. Je le fabrique moi-même depuis un an et demi je pense et voilà il me convient très très bien donc j'en achète plus du tout. C'est un baume qui est en pot parce que du coup il est assez riche. Dedans il y a de la cire d'abeille, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'amande. Voilà, c'est une texture qui est quand même assez riche et qui convient très très bien pour la nuit. Là je l'ai pas mal creusé, c'est un pot qui fait 15 g, donc je l'avais fait je crois au début de l'été. Et voilà, je suis en train de le creuser gentiment, il fonctionne très très bien et c'est une texture qui est vraiment très nourrissante et qui moi me convient très très bien pour la nuit. Je vais aussi l'utiliser par exemple si j'ai les mains très très sèches ou si je me suis fait une coupure ou quoi, je peux en appliquer dessus et ça va aider à réparer la peau. Et ensuite j'ai quelques petits trucs en plus que je peux rajouter dans ma routine. En premier j'ai de l'huile essentielle d'arbre à thé qui vient de chez Aromazone. On peut la trouver vraiment dans plein de marques mais voilà, moi je l'avais acheté sur Aromazone. C'est l'huile que je vais utiliser de façon locale quand j'ai des boutons, des imperfections, etc. Alors en ce moment, ça va, j'en ai plus trop, mais voilà, dès que j'en ai, je mets une petite goutte le soir pour aider à les assécher, à les faire partir et tout ça. Je trouve pas que ce soit révolutionnaire non plus, c'est pas hyper efficace, mais c'est assez naturel comme solution. Et voilà, comme j'en ai en stock, je rachète pas d'autres produits. J'ai pas des boutons très très souvent non plus, donc c'est pas un produit que je vais utiliser très souvent. Donc voilà, ça me convient très bien, ça va être très très bien l'affaire. Ensuite je vais vous parler de deux masques que j'aime bien utiliser. Alors après j'ai un tiroir entier de masques en tissu par exemple. J'en fais de temps en temps mais voilà, j'en ai pas de préféré à vous présenter donc je vais pas vous en montrer en particulier aujourd'hui.
Par contre, à chaque fois que je fais un masque en tissu, j'essaye de passer un roller comme ça pour le visage dessus, pour aider à faire pénétrer, à masser un petit peu le sérum et tout. Donc ça, c'est un truc que j'avais eu, je crois que je l'ai acheté sur Amazon. C'est normalement censé être en quartz ou bien en je ne sais plus quoi, la pierre verte, je sais plus ce que c'est. Moi, c'est complètement du toc, hein. C'est pas du tout les vraies pierres. Ils le font aussi par exemple chez Action, on en trouve aussi chez Sephora, etc. Alors, moi, pour l'avoir utilisé quand même quelques fois, enfin, ça fait un petit moment que je l'ai, je trouve que la qualité est pas folle non plus. Le truc il grince de temps en temps et tout, enfin, c'est vraiment, on sent que c'est pas de la très bonne qualité. Mais voilà, ça suffit amplement pour ce que j'en fais. Je l'utilise une fois de temps en temps quand j'ai un masque en tissu sur le visage. Et en fait, je vais le passer comme ça, je vais faire rouler sur mon visage. Et ça aide un petit peu à retendre la peau et à améliorer un petit peu les effets du masque. Donc voilà, je voulais vous en parler. Après, je vous recommande pas forcément celui-ci. Il y en a dans d'autres marques, mais je crois que les vrais, ça coûte aux alentours des 50 euros. Donc j'avais voulu acheter un petit peu le truc bas de gamme. Et en fait, je suis pas très 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 convaincue. Et ensuite, au niveau des masques en tube, j'en ai plein qui sont ouverts en même temps. Mais en ce moment, j'en ai deux que j'aime beaucoup. Le premier, c'est un masque de la marque My Little Beauty. Donc que j'avais eu dans une Little Box à l'époque. Je pense qu'on peut peut-être le racheter sur leur site. C'est le gommage charbon 3 en 1 qui s'appelle Détox au charbon. Donc en fait, c'est un produit qu'on peut utiliser soit en nettoyant, soit en gommage, ou bien laisser poser un petit peu comme un masque. Moi, je l'aime beaucoup en masque et en fait, c'est un nettoyant qui est tout noir avec des petites perles à l'intérieur, enfin des petites billes gommantes. Et du coup, moi, je vais le poser en masque sur tout le visage. Je le laisse poser à peu près entre 5 et 10 minutes. Et ensuite, en humidifiant, je vais un petit peu masser et ça va gommer le visage en même temps. Je l'aime beaucoup, je saurais pas trop vous dire pourquoi, mais voilà, j'aime bien ce genre de masque au charbon. Et ensuite, le masque que j'utilise quand vraiment ma peau est assez encrassée, que j'ai des boutons, des imperfections, etc. C'est un masque de chez Caudalie qui est le masque Instant Détox. C'est un masque qui va nettoyer en profondeur et resserrer les pores. C'est un format 75 ml. Et celui-ci, je crois que c'est le deuxième tube que j'ai. Je pense que je l'avais déjà acheté une fois, que je l'ai déjà terminé. Et du coup, voilà, je l'avais racheté. Là, je l'ai quand même bien descendu. Et c'est un masque que j'aime beaucoup. C'est un masque qui est à base d'argile rose principalement. Donc après l'argile ça va sécher sur le visage. Moi je le laisse jamais sécher. Je viens soit avec une petite brume le réhydrater dès que je sens qu'il va être sec. Ou bien je repasse un petit gant imprégné d'eau pour le réhumidifier. Parce que sinon c'est un masque qui sèche en 5 minutes. Du coup je trouve qu'il n'y a pas ça permet pas de le laisser assez longtemps. Moi j'aime bien le garder entre un quart d'heure et 20 minutes on va dire, donc je l'humidifie plusieurs fois. Et c'est un masque qui je trouve est très efficace pour voilà, enlever les imperfections, les boutons, quand vous avez vraiment la peau assez encrassée, etc. Je trouve qu'il fonctionne très très bien. Je l'ai déjà racheté une fois, du coup, comme je vous disais, et voilà, je l'aime beaucoup et je le fais quand même assez souvent. Et donc voilà, pour ma routine soin visage du moment, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Si vous avez un avis sur un produit que je vous ai présenté aujourd'hui, ou bien si vous avez un autre produit à me recommander, dites-moi tout ça, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on va se retrouver dès demain dans une prochaine vidéo. À bientôt!